link, follow our events and link your and link your calendars to the future events of the Humanities Institute. Let me introduce today's speakers. It is a pleasure for me to introduce Tahar Beljaloun. Born in Morocco, he migrated to France in 1971, where he has become one of the most celebrated contemporary authors in acclaimed novels like The Sacred Night, This Blinding Absence of Light, and Leaving Tangiers. Beljaloun develops a powerful lyrical and poetic language, rich in fairy tale, imagery, metaphor, and symbolism. His prose explores the mechanisms of oppression, injustice, racism, gender, the criminalization of migration, corruption, and marginality. Today, Tahar Beljaloun will be in conversation with his translator, Rita Nezami, Programming Writing and Rhetoric. Rita Nezami is a senior lecturer in the Program of Writing and Rhetoric at Stony Brook University. She has translated many of Tahar Beljaloun's work, including his autobiographical novel, L'écrivain public, The Public Scribe, winner of the Alta Award, Par le Feu, By Fire, a collection of Beljaloun's writing on the Arab Spring, and Le Mariage de Plaisir, The Pleasure Marriage, published in 2020 by Northwestern University Press. And this event will be translated in the chat room by Patrice Nganang, a writer, professor of cultural and literary theory, and chair of the Department of Africana Studies at Stony Brook University, and the author of novels, essays, and monographs. His latest books are Mount Pleasant, When the Plums Are Ripe, and A Trail of Crab Trucks, which constitute a trilogy on the history of his native Cameroon. His work has been translated into dozens of languages. So please let me welcome once again Tahar Beljaloun, and I leave it to Rita Nezami to her questions to our speaker today. Thank you. Thank you. I think we will begin by my questions to Tahar. And I have allowed myself to ask somewhat long questions to give our audience a little bit of knowledge about Tahar and his works. So I'm going to start reading the questions, and Tahar will be able to see the translations in the chat box. Thank you. Bonjour again, Tahar. It's a great pleasure having you among us, and we are indeed very grateful to you for your time and your willingness to be with us today. So, about 20 years ago, I became fascinated by your poetic French. Jean Genet said, yours is the most beautiful French languages that exist. Yet, it is your urgent and universal themes that attract me the most. Consistent themes in your works are oppression and suffering. Rita, if you consider there is a translator who is writing, you have to speak slowly. Otherwise, I will not be translating and he will not read. Okay. Okay, thank you. Should I begin again? Yes, please. Okay. So, Tahar, about 20 years ago, I became fascinated by your poetic French. Jean Genet said, yours is the most beautiful French languages that exist. Yet, it is your urgent and universal themes that attract me the most today. Consistent themes in your work are oppression and suffering in many forms. Can you please share what factors led you to your deep engagement
with human suffering and oppression, from official political oppression to the cultural oppression of women. Thank you. Bien. Merci. Merci à vous tous. Merci à Rita qui a généré cette réunion. Et la question, elle est difficile pour moi parce que ce que dit Jean Genet de ma langue m'a beaucoup touché, mais je dirais que l'écrivain est d'abord un témoin de son époque et de sa société. Et comme disait Balzac, être romancier, c'est fouiller les tréfonds de la société, c'est aller dans le fond même de la société, faire de la fouille comme un archéologue qui va fouiller. Il se trouve que j'appartiens à une société où, quand j'ai ouvert les yeux, j'ai trouvé que la femme, que ce soit ma mère, ma sœur, mes tantes, mes voisines, n'était pas l'égal des hommes. Et pour un enfant qui découvre ça, ça a été pour moi quelque chose d'un choc. Je ne pouvais pas me dire que j'étais féministe. Mais ça m'avait choqué. Ça m'avait choqué par un incident. Lorsque mon oncle, le frère de mon père, est mort, il avait beaucoup d'enfants. Il avait 5 filles et 3 garçons. Et les 3 garçons ont eu chacun une part, et les sœurs, les 5 filles, ont eu une demi-part. Et j'avais 5 ans à l'époque, je me dis, mais c'est pas normal, pourquoi les filles ont la moitié des garçons? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait une bêtise, ils sont punis. Et en fait, c'est ça l'islam. L'islam de l'époque de Mohammed, la femme ne travaillait pas, donc elle était à la charge de l'homme. C'est pour ça qu'elle prend la moitié seulement. Mais aujourd'hui, c'est fini tout ça. Aujourd'hui, et la littérature nous a amenés à contester tout cela, parce que mon premier livre, mon premier roman, c'est l'histoire de, je pourrais dire, c'est la mère et la putain. C'est une histoire d'une prostituée qui hantait nos rues à Fès. Et puis, c'est la condition de ma mère, qui était une condition que je ne comprenais pas. Donc, c'est mon premier livre, donc c'est un livre sur la condition de la femme dans le monde musulman. Et pour moi, c'était naturel, tout à fait normal, de témoigner sur ce que j'ai vécu dans la maison. Ça va, Patrice, pour le... Oui. I'm sorry, micro. Okay. Thank you for your answer. I will move on to the next question. Your work explores the operation of evil in many contexts and its effects. In my most recent translation of your novel, The Pleasure Marriage, Le Mariage de Plaisir, which was published in June this year, you focus on racism, injustice, and especially migration. Can you please tell us why these concerns are important to you? Can you also tell us why your point of departure in the pleasure marriage is the pleasure or temporary marriage that was or is still permitted in Islam? I think it's called the muta marriage. So would you please let us know a little bit more about that? Thank you.
D'abord, cette histoire de mariage de plaisir, qui est un mariage pour une période déterminée, m'a fait rire. J'ai dit, ah, les musulmans sont malins. Quand ils voyagent, pour ne pas fréquenter des prostituées, ils contractent un mariage d'un mois ou deux, et puis après, ils divorcent. C'est quand même un mépris de la femme extraordinaire, là. Et à travers cette histoire, que même d'ailleurs les musulmans ne connaissent pas bien, à travers cette histoire, je voulais absolument traiter un des phénomènes qui me préoccupe le plus au Maroc, c'est le racisme anti-noir. C'est quelque chose que la littérature marocaine n'a jamais abordé, ni en arabe ni en français. Il y a peut-être Fatima Mernissi qui avait évoqué un peu ce sujet, parce qu'elle-même était la fille d'une esclave noire. Et j'ai raconté donc une histoire, j'ai inventé une histoire d'un commerçant qui va à Dakar, qui va prendre une femme pour quelques mois, mais il tombe amoureux, sincèrement amoureux de cette femme. Il la ramène chez lui au Maroc. Et c'est le début d'une autre histoire. Elle va lui donner des jumeaux, un blanc et un noir. Et leur destin va être très différent. Et c'est un livre, j'ai mis 2 ans à l'écrire parce que j'ai dû beaucoup, beaucoup m'informer, me renseigner. Et c'est un livre qui me tient à cœur parce que je crois que j'ai rendu service à une communauté d'Africains qui était mal reçue par la population dans mon pays, le Maroc. Mais le roi Mohamed VI, qui est un homme très bon, avait décidé déjà de régulariser 30 000 Africains qui avaient émigré au Maroc. Et cette régularisation a mis fin à des situations absurdes et scandaleuses. Et en même temps, j'apprends tous les jours que je vais au Maroc, il y a de plus en plus de mariages mixtes, c'est-à-dire de noirs et de blanches. Et ça, c'est le meilleur moyen pour lutter contre le racisme. C'est le mariage, c'est l'amour. Merci beaucoup. You just mentioned that it took you 2 years to write the book. And I would like to say that it took me also 2 years to translate it. Okay, égalité. It involves a lot of research. Translation is not just creative writing, it also involves a lot of research to be able to recreate your text most accurately and faithfully as possible. So I'm thinking about your autobiographical novel. Didn't you mention that one of your uncles also married a woman from Senegal and brought her back to Morocco? C'est-à-dire que l'oncle qui est mort, c'était celui qui avait ramené de Guinée, je crois, 2 femmes noires, dont j'ai le souvenir, j'étais tout petit, j'avais 3-4 ans, je me souviens très bien de ces 2 femmes qui n'avaient pas le droit à avoir une chambre avec un lit. Enfin, ils étaient très, très maltraités. Et ils ont fait des enfants avec cet homme. Et j'ai eu des cousins germains noirs
qui ont eu une vie très pénible au Maroc. Aujourd'hui, ils sont tous morts parce que, bon, ils étaient beaucoup plus âgés que moi, bien sûr. Mais j'ai un souvenir douloureux de cette histoire. Mais c'est encore une fois, c'est le regard d'un enfant qui voit des choses et qui ne comprend pas pourquoi il y a un traitement différent parce qu'on a la peau d'une couleur différente. Les enfants ne sont pas racistes. Hein. Ils deviennent racistes quand on leur dit « méfie-toi de l'arabe » ou « méfie-toi du noir » ou « méfie-toi du juif ». On leur inculque le racisme. Et le rôle de la littérature, justement, c'est de raconter des histoires où le lecteur va se retrouver, va s'identifier et se dire « c'est une histoire qui me concerne, c'est une histoire qui me regarde ». Et ça, c'est très important pour moi, que les écrivains, ils puisent toujours dans leur vie. Je ne raconte pas ma vie, mais je raconte ce qui a traversé ma vie. C'est-à-dire les choses qui sont arrivées à moi, que j'ai vécues ou j'ai été témoin, et je les restitue évidemment d'une manière littéraire, en changeant les choses, bien sûr. Thus, it makes a lot of sense that you have personally experienced such moments, and you want to give voice to these unfortunate African women in Moroccan society. So thank you for doing that. I'll move on to my next question. As a translator, as your translator, I'm keenly aware of the enormous responsibility I bear to bring the strategies you use to write about many forms of human suffering and persecution over into English. Doucement, slowly. I have the part where you're just switching from English to French, from English to French. So you have to be careful here. Uh-huh. Thank you. Let's start again, please. Okay. As your translator, I'm keenly aware of the enormous responsibility I bear to bring the strategies you use to write about many forms of human suffering and persecution over into English so that they are not diluted. I'm especially thinking about the Arab Spring and Mohamed Bouazizi's self-immolation caused by his suffering due to poverty, police violence, corruption, and injustice in the novella called Par le Feu, By Fire, which was actually published in the New Yorker. Do you worry about the power of your language intended to capture the raw edge of human suffering being compromised in translation? Also, I don't know if you will have time to answer this question. Also, it has been 10 years since the major actions of the Arab Spring. What happened to the Arab Spring's revolutionary energy? What is its legacy? Thank you. Alors, nous avons affaire ici à deux sortes de traducteurs. L'écrivain, le romancier, traduit les événements, traduit les silences, traduit ce qu'il voit ou ce qu'il ne voit pas, traduit ce qu'il imagine et donne au lecteur des éléments pour que le lecteur soit actif, pour qu'il rentre avec lui dans cette danse qui constitue la fabrication d'un roman. Et comme disait Jean-Paul Sartre, écrire la littérature, c'est une aventure hasardeuse, c'est-à-dire on ne sait pas où on va. Et il faut y aller quand même. C'est pour ça que, dans mon cas, je ne pars jamais avec un plan
définitif ou avec une fin déjà connue. Je ne sais pas moi-même comment l'histoire va se terminer. Et c'est en écrivant que les choses se font. Donc, après, je vous livre quelque chose que vous allez traduire dans une autre langue, c'est-à-dire dans une autre sensibilité, d'autres mentalités. Et c'est ça la force du traducteur. Et c'est pour ça que vous réussissez très bien à faire votre travail, qui n'est pas celui uniquement de rendre les phrases du français à l'anglais. C'est de donner au lecteur anglophone l'impression que le livre a été écrit en anglais. Et c'est ça qui me plaît beaucoup dans votre travail. Parce que tous ceux à qui j'ai offert le livre, qui l'ont lu, m'ont dit « mais ça a été écrit en anglais ». Ça, c'est une vraie, un commentaire et un éloge que j'aime beaucoup. Donc, vous êtes ma complice. Et le traducteur, même si en italien on dit « traduttore traitore », c'est-à-dire le traître, même si vous avez envie de me trahir, je ne vous en voudrais pas, mais c'est le texte qui va compter, ce n'est pas l'intention du traducteur. I have no intention of betraying you. mais c'est parce qu'il y a cette formule italienne, traducteur traître. So perhaps we'll talk about the Arab Spring another time. I did translate the question though. I'm sorry? I did translate the question. You did? Mm-hmm. Okay. Elle demande si vous avez la question sur le printemps arabe. Il y a cette partie-là. Ah, je n'ai pas répondu sur le printemps arabe, c'est ça? Oui, oui. Qu'est-ce que c'est devenu après 10 ans? Oui, oh là là, mais ça, c'est, ça il nous faudra une journée à l'université chez vous, là-bas, à Princeton ou à, je ne sais pas où, là où vous êtes, parce qu'il s'est passé beaucoup de choses et malheureusement, ce qui s'est passé n'est pas des plus belles, n'est pas très bon. Rapidement, pour être rapide, ce qu'on a appelé le printemps arabe a été un cauchemar arabe. Mais ce cauchemar a permis aux peuples d'Égypte, de Syrie, d'Irak, de Tunisie de se soulever et de réclamer la dignité, la liberté. Le peuple syrien, par exemple, l'a payé très cher. Et aujourd'hui, nous avons un chef d'État qui s'appelle Bachar al-Assad, mm-hmm. qui est un des plus grands criminels de l'histoire du monde arabe. Et je dirais même, il a tué, je pense, il a massacré son propre peuple et on l'a aidé. Il a été aidé par les Russes, il a été aidé par les Iraniens, il a été aidé par des chiites libanais, il a été aidé vraiment militairement par Poutine, etc. Et on a laissé faire. Et ça fait ce qui est absolument insupportable, c'est que cet homme, au lieu d'être aujourd'hui jugé par un tribunal international et retiré dans une prison où il va souffrir, ben il continue de gouverner la Syrie et tous les pays du monde, tous les États, finalement lui parlent. Et ça fait très mal de voir ça, parce que ça veut dire que ce qui devait être un printemps est devenu un cauchemar, mm-hmm. à cause de Bachar al-Assad, à cause aussi des interventions terribles d'une armée terroriste dans un État soi-disant islamique. Et tout ça fait qu'aujourd'hui, le monde arabe, qui n'a jamais existé en tant qu'union, entité, est un monde qui n'existe presque plus. La culture du monde arabe n'est pas reconnue. La civilisation arabe est ignorée. Les souffrances des peuples arabes
ne sont pas rapportées. C'est fini. On a décidé que le monde arabe n'existera plus. Il est en train de mourir tranquillement. Reste le Maroc qui a échappé à cette tragédie. Il a échappé. Encore une fois, grâce à son roi. Vous me direz que je suis royaliste. Je dis oui, je suis royaliste. Et je défendrai ce roi parce qu'il a fait beaucoup pour mon pays. Et au Maroc, en 2011, quand le vent a soufflé, le vent du printemps arabe, le roi Mohamed VI a anticipé les événements et a proposé une nouvelle constitution, a proposé une révision du statut de la femme, du code personnel, a proposé de nouvelles élections, libres, sans trucage, et ces élections ont permis au parti islamiste des frères musulmans d'arriver au pouvoir. Il les a laissés gouverner pendant 10 ans, pendant 2 législatures. Mm-hmm. Ça a été une catastrophe sur le plan politique et économique. Heureusement que la démocratie, une réelle démocratie, a fonctionné. Et le 8 septembre dernier, les élections législatives transparentes, honnêtes et sans trucage ont massacré les islamistes. Ils avaient 125 députés. Ils ont tous perdu, sauf 13. De 125, ils sont devenus 13 députés seulement. Et pour nous, ça a été une très grande victoire. Par la démocratie, nous avons été débarrassés des islamistes au pouvoir. Et c'est le seul pays dans le monde arabe qui a réussi ce phénomène, alors que l'Algérie, en 1990, vous vous souvenez, lorsque les islamistes sont arrivés au pouvoir, l'armée a refusé de leur laisser le pouvoir et il y a eu une guerre civile qui a fait 200 000 morts entre 1990 et presque 2000 et quelques. Voilà, c'est un peu résumé rapidement la situation du monde arabe. Merci beaucoup. I will move on to my next question. I believe in a rhetoric of translation that resists cultural domestication. When you turn over a book to a translator, do you worry about how it will come out on the other side? I'm especially interested in whether you worry about domestication, whether the culture-specific words and expressions, as well as the overall aesthetic feel of your work, will be lost as publishers try to make your translated work more accessible to their domestic markets. Moi, quand j'apprends qu'un livre va être traduit, je suis heureux. Je ne pense pas qu'il est entre de mauvaises mains. Je ne pense pas qu'il sera trahi et mal traduit. Donc, ce que je dis, c'est que parfois, il y a une discussion à avoir entre l'auteur et le traducteur. Il y a un échange, et je me souviens de mes traducteurs japonais qui avaient des difficultés à comprendre la structure parentale au Maroc. Par exemple, j'ai dit mon oncle, et le traducteur japonais, ou c'est une traductrice une fois, il m'écrivait, il me disait, mais quel oncle? Celui, le frère de votre mère, le frère de votre père? Il voulait, alors je dis, oui, il faut préciser, oncle maternel. Et ça, ce sont des petites difficultés. Mais le plus important, c'est de rendre un projet, le rendre crédible dans une langue différente de celle de laquelle il a été écrit. C'est ça, ce qui est pour moi le plus important dans une traduction, c'est est-ce que le message est passé? Est-ce que le livre n'a pas changé sur le fond, il a changé sur la forme,
mais pas sur le fond. C'est ça ce que je cherche dans les traductions. Et moi-même, je traduis très peu, mais je traduis des poètes comme Mahmoud Darwish ou Adonis, ou l'écrivain marocain Mohamed Choukri, de l'arabe au français. Et j'avais souffert en traduisant parce que j'avais peur de ne pas être à la hauteur de ces grands écrivains. Ça a été très dur pour moi, alors j'ai arrêté de traduire parce que je trouve que c'est un métier extrêmement dur, difficile, et qu'il faut considérer, qu'il faut lui donner beaucoup plus de considération qu'avant. As your translator, your expectations that you just mentioned are exactly what I focus on. And I think it is very important that if the form can change, but I think you mentioned the fond, which may be the, Patrice, help me, what could be the word translation for fond? The essence, I think the essence of the text should not change. And that has been my main goal in translating your work. So I'm going to move on to another question. Even though you write for the French audience, I am truly fascinated by your use of Moroccan culture-specific words, Arabic words, and expressions. I found such moments in many of your works, including your autobiographical novel, L'écrivain public, The Public Scribe. There is a moment when your mother calls you mon petit foie, which is translated as my little liver. Commonly in France and in French, the expressions that are used are mon petit cœur or mon petit chou, yet you have chosen mon petit foie. Of course, in my translation, I have translated it as my little liver and not my little sweetheart. So my question is, what is your main objective in bringing so many culture-specific moments into your French work? Also, would you say, may I have the courage to say that your French is slightly Arabized? Thank you. Alors, c'est une histoire très particulière parce que quand j'écris, moi j'écris plus toujours en français, mais des mots arabes surgissent tout seul, comme ça, quand j'écris. Mm-hmm. Alors, parfois quand j'écris à la main, je les écris à côté, je mets entre parenthèses et je reviendrai après. Mais quand je raconte une histoire typiquement marocaine, j'essaie de traduire de manière parfois littérale, parce que ça peut être drôle, de traduire littéralement certains proverbes, certains dictons, qui font que ça donne une espèce de, d'habillage culturel, civilisationnel. Et c'est vrai que c'est une façon d'utiliser le français, mais un français habité et traversé par la culture arabe. Mmh. C'est normal. Et je pense que nous avons la même chose avec les Belges, les Suisses, les Canadiens qui utilisent le français. Parfois, ils glissent des expressions à eux que les Français ne comprennent pas, ou qui ne sont pas courantes dans la langue française. Et c'est normal parce que la langue française a cette chance de traverser plusieurs pays et plusieurs sociétés. Et il y a plus
de locuteurs en français que de français qui parlent le français. Mm-hmm. C'est une chance que malheureusement les politiques culturelles de la France n'ont pas pris en considération, et ils sont en train d'ailleurs de perdre beaucoup de leur influence dans le monde à cause de cette absence d'intérêt pour la culture française dans le monde. Okay, merci beaucoup. I'll move on to my next question because your responses are absolutely fascinating, yet we are somewhat running behind in time because there is, dear audience, there are also questions that Tahar is going to ask me, and so we have to have a little bit of time for that as well. And there are also student questions that I'm going to ask on their behalf. So next question is, translating your work has been a deeply cultural, personal, and visual, obviously a rewarding experience for me. As I lived in Morocco for several years and traveled there often, I can sense and see your words when I translate, and your words transport me into your cultural reality. Also, meeting you in Tangier and your family, having discussions with you helped me translate your work, I believe, faithfully. Do you think literary translators should have experience of the source cultures that they translate? Ben, évidemment, évidemment le, quand on traduit un auteur, on vit avec lui, mais on aimerait le voir vivre dans sa réalité normale. J'avais fait la même chose avec mon traducteur suédois et mon traducteur italien, qui sont tous les deux malheureusement décédés. Et ils venaient souvent au Maroc passer quelques semaines avec moi dans ma famille, dans là où j'étais, pour être en contact avec la réalité que je racontais. Et je trouvais que c'est une façon honnête de faire ce travail, de traduire. Et surtout, je me souviens de mon ami suédois. Lui, il était... Vous savez, la Suède et le Maroc, ils sont très, très différents. De culture, de coutumes, de traditions. Il voyait des choses, il était horrifié. Je lui expliquais pourquoi ceci, pourquoi cela. Et c'était pour lui important parce que ça l'aidait à mieux traduire. Et ça, on ne peut pas le faire tout le temps parce qu'on n'a pas toujours le temps de prendre tous les traducteurs et de les amener à la maison. Mais quand j'ai vu Rita à Tanger, j'étais très heureux parce que je sentais qu'elle était motivée, déterminée, et qu'elle avait sincèrement une passion pour la littérature et pour ce pays qu'elle aime beaucoup. Et je la remercie pour cela. Merci beaucoup. Indeed, living in Morocco for over 3 years and traveling there often has greatly helped me translate your works, especially having had discussions with you has been monumental in the way I translate. I have one last question for you. I am indeed very fortunate to be your translator. I am currently translating your most recent novel, Le Miel et l'Amertume, Honey and Bitterness. Can you please share a few words about this work? Thank you. Ben, c'est un roman douloureux,
douloureux parce qu'il raconte un fait divers auquel j'ai été témoin aussi. Et la jeune fille qui, dont je parle dans le livre, qui s'est donné la mort à ses 15 ans, et c'était une de mes nièces, la fille de mon frère aîné, qui avait été abusée par un pédocriminel et qui a mis fin à ses jours. Mais cela, à l'époque, on n'en parlait pas. Ce n'était pas du tout un thème médiatique dans les journaux. Elle est morte. Le pédocriminel n'a jamais été inquiété. Il a continué à abuser d'autres enfants. Bon, sauf qu'aujourd'hui, heureusement, aujourd'hui les choses ont changé. Et il y a maintenant des associations de lutte contre la pédocriminalité au Maroc. Il y a une association qui s'appelle Touche pas à mon enfant, qui est très active et très importante. Mais je voulais donner, faire ce raconter cette histoire pour dire aux Marocains qui pensaient que les pédophiles c'était les autres, c'était jamais eux. Or, je leur ai expliqué, en faisant une tournée de lecture à Casablanca, Marrakech, Tanger, j'aurais dit, la pédophilie est dans toutes les sociétés du monde. L'inceste existe partout. Pourquoi voulez-vous que les Marocains soient des saints, des gens excellents? Eux aussi, parmi les Marocains, il y a des malades mentaux, il y a des pédocriminels, il y a des incestueux. Ça arrive, il faut le reconnaître et lutter contre cette maladie et ces crimes. C'est un livre qui a rencontré un public qui avait mauvaise conscience, parce que c'est vrai, on n'a pas fait grand-chose quand des enfants étaient abusés. Maintenant, ça bouge un peu, heureusement. Universel, pour moi, ça se passe partout dans le monde. Hein. Yes, that's what I was going to say, that it is, even though I'm very sorry, first of all, for your experience, and you bring so much of your experience in your novels, very often I wonder whether or not this is something you have experienced directly. And these experiences, however, most of them are global in nature, universal themes are brought in thus because of your focus on various global concerns today. So thank you very much for having this conversation with me and for allowing our audience to I'm talking too fast again, right? Oh, no, it's fine. You are just saying thank you, right? Yes, I'm just saying thank you. Mm-hmm. And I hope that I will be able to answer your questions Très bien. And be able to... clarity and precision. De poser toutes les questions préparées parce que vous avez déjà répondu un peu à certaines des questions. Yes. Mais je vais commencer par la numéro 2. Quelles sont les difficultés récurrentes que vous rencontrez dans mes textes? Les difficultés récurrentes, enfin très souvent, que vous rencontrez dans mes textes. So the recurring difficulties that I encounter are not at the cultural or historical levels. The difficulties lie at a specific lexical level. Some recurring difficulties are idiomatic expressions, Arabic words, and slang. Yet translating them, I find fascinating because it helps me dig into those words and discover their true meanings. Words like abid, adul, azi, haram, haraga, kalush, kisaria, and others were challenging for me.
I'm sorry, I hope you can excuse my pronunciation. For example, I didn't know that Kalush is a pejorative term for a Negro or a slave. Nigger, right? Mm-hmm. Yes. I didn't know about it until very recently while I was translating The Pleasure Marriage. However, I must say that living in Morocco for several years really helped me understand many of the Arabic words and expressions. As a result, they are somewhat clear in my mind. Another word I would like to bring to you is the word kisaria. One day I was walking in Tangier and I saw the word kisaria written on a building. And kisaria, obviously, is, as you know, is a group of shops under the same roof. Standing in front of that kisaria, I knew right away that I couldn't possibly translate it as shopping center, because that would mean that I will have domesticated the word. Another interesting word is that I came kind of face to face with. I came to face to face with the word, and that is le mur des paresseux. One day again, walking in Tangier, I saw several young men sitting on a low wall facing the ocean. And they indeed looked very lazy, because the translation of Le Mur des Paresseux, initially I had the wall of the idlers or the wall of the ladies, and obviously it wasn't making any sense. But actually seeing that phrase with my own eyes, that helped me understand. And not only that, that helped me decide that I'm going to retain the words in French and explain in the glossary. So all Arabic words and ambiguous phrases in French, I explain in the glossary. Thank you. Bien, il faut dire que entre vous et moi, il y a le Maroc que mm-hmm. vous connaissez, que vous avez vécu, et je pensais que, bien sûr, ça vous a aidé à mieux comprendre certaines situations et certaines expressions. La Kessaria, comme vous dites, bon, shopping center, oui, mais aujourd'hui, ça a été remplacé dans les grandes villes du Maroc par mall center. Mm-hmm. Kessaria a disparu et c'est devenu un mall. Et ça vient, ça a été, cette notion de mall center vient des pays du Golfe où il fait très très chaud et forcément les gens se retrouvent dans un centre climatisé. Mm-hmm. Alors qu'au Maroc, il ne fait pas tellement chaud. Mais non, on a imité ce que font les pays du Golfe. Avec ces malls qui sont horribles et qui sont des espèces de magasins sans aucune couleur. Aucune... Alors que la Kessaria, il y avait une telle couleur locale extraordinaire. Parce qu'il y avait, bien sûr les boutiques qui vendaient du tissu, mais il y avait aussi les marchands qui vendaient du thé, qui vous apportait du café, du thé, il y avait les brochettes. Enfin, il y avait une ambiance, il y avait un monde à l'intérieur de ces Kessaria. Aujourd'hui, c'est devenu métallique, sec et sans âme. That sounds very sad to me. I remember entering these Kessarias and I was also offered tea, the Moroccan, famous Moroccan mint tea. And it really felt like all the store owners were like family members. There was such bonding among all of them. So it is really a pity, a shame that this culture is going to disappear altogether, and the word itself is going to disappear. Une dernière question, toujours sur la traduction. Comment
vous sentez-vous quand une traduction est terminée? Terminée. Not when I start, right? Just when it ends. Okay. I feel as though I have lived in your universe for nearly 2 years. I also feel as though I have lived through the lives of the characters, because these characters become real for me. I think about them in my mind. Sometimes I have conversations with them. And long after the publication is over, these characters remain with me. So, but one thing I ask myself when I finish a translation is, have I managed to translate your beautiful texts with full accuracy, faithfulness, and depth? Whether I managed to capture the true essence and the beauty of your work. So when it is complete, I wonder if I have done justice to your work. As a result, I end up feeling that my English text could never be as good as your French text. Also, translation, I would say, is a never-ending process. As a result, I revised The Pleasure Marriage at least 30 times. Even then, I felt there is more revision that is possible. So translation is indeed a long process that requires much research work. It's an art form, and it allows me, because you are the only writer whose works I have been translating for the last 20 years. So for me, translating your works has been a labor of love, especially during this pandemic. In it, I find comfort and energy. And by translating your work, I somewhat find myself. I am indeed very fortunate to be your translator. Thank you very much for being with us here today. Merci à vous d'abord, vraiment un grand merci. Et je vous dis, je posais cette question parce que moi, quand je termine un roman, l'angoisse commence. Pendant que j'écris, je suis heureux. Je suis préoccupé, mais je suis heureux. Et quand je termine, il faut que je me sépare de mes personnages avec lesquels j'ai vécu un an ou deux ans. Et je m'angoisse. Et je me dis, est-ce que ces gens vont tomber entre de bonnes mains? Est-ce que les lecteurs et lectrices vont vivre avec eux quelques heures de leur vie? Et cette angoisse, est curieusement, plus j'avance, plus elle est grande. Et au début, quand j'ai commencé, j'étais angoissé comme tout le monde. Mais là, à 70 ans passés, je suis encore angoissé quand je termine un roman. Et cela, je pense que c'est une bonne chose, parce qu'il n'y a pas pire que les gens qui sont satisfaits, qui sont contents de ce qu'ils ont fait. Je vous remercie infiniment. Merci beaucoup. Thank you for your work, your very important work that you share with us in a world that is somewhat broken today. Thank you. Avec plaisir, merci. So I'm now going to move on to some student questions. Patrice, may I do that? No? I'm just translating. Okay.
I'm going to move on to some student questions. Dr. Patrice Engening, he actually teaches, you can see the book right here. He teaches this book, which was published in June. And he has 50 students who have finished reading the book. So I wanted Tahar to know that your works are being taught. I regularly teach the other book, which you can see right there. And I'm not the only one. I have some colleagues who are also teaching your works. So I wanted to share that information with you. So Patrice's students have sent about 8 questions. Some of them overlap. So I'm going to ask just some of them, not the ones that you have already answered. So the first question is, why is the book titled The Pleasure Marriage when the focus shifts away from Amir and Nabur's pleasure or temporary marriage? Pourquoi ce titre? C'est vrai qu'il s'éloigne. Non, il s'éloigne pas du thème parce que cette femme avec laquelle l'homme a contracté un mariage de plaisir, un mariage à courte durée, va gouverner sa vie. Il va y avoir une vraie histoire d'amour entre les deux. Donc, et ce qui m'intéressait après, c'est les conséquences d'un tel mariage qui n'est plus de simple plaisir, mais de vie. C'est ça le problème. Ça devient une histoire de vie et ça donne évidemment les jumeaux qui vont avoir deux destins différents. Thank you very much. Another student wrote, after reading The Pleasure Marriage, it struck me how racism toward Blacks is very common in Morocco. So my question is, what have they done to help combat racism? And how would you compare racism in Morocco versus the United States? Disons que il y a un racisme disons, traditionnel qui vient du fait qu'il y a eu des esclaves au 19e siècle qui ont été traités au Maroc par des familles riches blanches. Et ça a donné évidemment des catastrophes sur le plan humain et social. Aujourd'hui, les choses ont beaucoup changé. Il n'y a pas d'esclavage, mais il y a des migrants qui viennent et qui ont le malheur de se laisser berner par des mafias qui leur donnent l'espoir de partir travailler en Europe. Et là, le racisme devient l'allié de la pauvreté et de la misère. Et ça, c'est un rejet que les gens, pas parce qu'ils sont noirs, mais parce qu'ils sont malheureux, pas parfois il y en a qui ne veulent pas avoir affaire à eux. On parle de racisme aussi. Et comment lutter contre ça? Ben, je pense que la littérature, le journalisme, la contestation, tout ça, il ne faut pas se taire parce qu'en racontant cette histoire qui a l'air d'être anodine au départ, ben ça devient une histoire tragique parce qu'elle met en scène quand même des destins brisés à cause de la couleur de la peau. Merci beaucoup. Another question. Why did you choose to tell a story across 3 generations? Was it to show the different treatment of Blacks over time?
Au départ, je voulais m'en tenir uniquement à l'histoire d'amour. Et après, quand j'ai eu l'idée que la femme va donner naissance à deux jumeaux, un blanc et un noir, j'ai été obligé de les installer dans une situation sociologique qui reflète la situation actuelle des Noirs migrants qui viennent au Maroc. Parce que la première fois que j'ai constaté l'existence de ces Africains perdus, c'était à Tanger en 1990, il y a 31 ans. C'était la première fois qu'on voyait des Africains traîner dans les rues, pauvres, misérables, mendiants parce qu'ils n'avaient pas de quoi manger. Et ça a été le début de cet afflux de migrants qui voulaient passer en Europe. Two years ago, when I was in Tangier, I too noticed quite a few African women with children begging in the streets. I hope when I return to Morocco that vision will no longer, that vision is probably not the right word, that kind of sight will no longer be there. The remaining questions are all related to racism. I have one last question here, which may be interesting for you to answer. What was the hardest part of writing this book and why? For example, I imagine some parts were very emotional and difficult to write about. Can you share some information about these parts? Il n'y a pas de partie facile. Mm-hmm. C'est une tension permanente, hasardeuse. On ne sait pas où on va. Et on espère qu'on va dans le bon sens. C'est-à-dire le sens que le lecteur espère trouver. Quand on achète un roman policier, ou quand on achète un roman de Stephen King qui va nous raconter une histoire de terreur, on sait à quoi nous nous attendons. Mm-hmm. Nous n'avons pas de surprise. Et on achète Stephen King pour lire du Stephen King, pas pour qu'il nous raconte ses états d'âme, ou le racisme, ou le problème de la condition de la femme. Ce n'est pas son problème, lui. Lui, il raconte des histoires extraordinaires. D'ailleurs, c'est un très grand écrivain pour moi. Et c'est comme ça. Mais quand on veut parler de la condition humaine, que ce soit le racisme, que ce soit la condition de la femme, que ce soit la fragilité des enfants abandonnés, que ce soit la prostitution, que ce soit le problème de la corruption, ce sont des problèmes sociaux que la littérature prend en charge. Mm-hmm. Balzac a passé sa vie à écrire sur la condition humaine. Par ailleurs, Molière a écrit sur la condition humaine. Et c'est à travers, bien sûr, soit les comédies, soit les drames, que nous essayons de témoigner sur l'époque dans laquelle nous vivons, pour laisser une trace. Aujourd'hui, quand on veut savoir ce qu'a été tel pays ou telle société, on revient vers ces poètes, cette époque, les écrivains. Ils nous renseignent mieux que les historiens. Et c'est pour ça que la littérature est fondamentale. Elle est, quand elle est évidemment faite avec sincérité et conviction, elle peut donner de l'information, elle peut aider à l'émancipation des peuples. Et je pense que des textes de grands écrivains noirs ont aidé à l'émancipation de la condition des Afro-Américains en Amérique. C'est évident, les politiques ont fait leur travail, mais il y a eu des poètes, il y a eu des leaders, il y a eu des écrivains, et ça c'est très important.
L'écrivain est quelqu'un qui est dans la société, qui est dans l'arène. Il n'est pas en dehors de la société. C'est pas quelqu'un qui s'installe dans un bon fauteuil confortable, qui regarde la vie. Non, il est dans le combat, il est dedans. Et c'est pour cela que je n'ai pas pu donner mon appui à la littérature de ce qu'appelle l'autofiction, c'est-à-dire le nombril. Mm-hmm. Ça ne m'intéresse pas, moi, de savoir les angoisses d'une personne. Non, ce qui m'intéresse, c'est ce qui se passe dans le contexte dans lequel elle vit, cette personne. Enfin, c'est un point de vue. Il y a des lecteurs pour tout, y compris pour des mauvais livres. It is indeed your focus on the human condition that attracts me the most. And you are certainly a very engaged reader, writer. And I think we translators, we should be able to convey your ideas and thoughts accurately with depth and feeling to our readers. And I just want to end by saying that I have a question though. Yes. If I'm writing, that's why I'm so abrupt. I didn't want to interrupt. It's je ne voulais pas interrompre, mais comme je fais quatre choses à la fois, donc je suis un peu abrupt là. Vous dites toujours, lorsque vous parlez de l'Afrique au sud du Sahara, vous dites l'Afrique. Les Africains qui vont au Maroc. Et le Maroc fait partie de l'Afrique. Oui, mais c'est une question très, 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 très importante parce que pendant des siècles, les Marocains ne sont pas considérés comme des Africains. C'est que récemment, vraiment, il y a les 50 dernières années, où le Maroc a regardé l'Afrique dont il fait partie avec un regard non pas de blanc, mais d'Africain. Et ça, c'est grâce, bien sûr, aussi aux échanges. Ça commence par l'économie, et après, ça devient les échanges culturels et humains. Je pense que le Maroc a joué un rôle important dans la reconnaissance de l'identité africaine. Et il a fait des choses, parce que ça a été un moment important lorsque le Maroc a récupéré les provinces du sud saharienne, malgré l'opposition des Algériens, eh bien, il a vu beaucoup à ce moment-là qu'il avait besoin de l'Afrique, il avait besoin des autres pays africains pour le soutenir et pour l'aider à garantir l'intégrité territoriale du pays. Et ça a été grâce à beaucoup de pays africains comme le Mali, le Sénégal, le Gabon, le Nigeria, etc., qui ont compris ce que c'est qu'avoir des frontières sûres et avoir une intégrité territoriale. Et c'est grâce à ça que les Marocains, qui se considéraient des blancs presque européens, se sont rappelés leurs racines africaines. Mais c'était une erreur, à mon avis, d'avoir négligé l'Afrique. Patrice, can we move on to asking our audience if they would like to ask some questions now? Yes? We don't have a lot of time, but I'm sure we have a little time left for our audience. So if you can ask your question, which Patrice will once again very kindly translate for you. So just raise your hand using the emoji and I will get to you. There are so many people that I have no idea how to see everybody at the same time. So I'm going to go you back. You can also write in the chat and then you'll see. So I'm going to open the chat. Vous pouvez le dire en français, comme ça donnera un peu de repos à Patrice.
C'est bon, hein? Moi, je n'ai pas de problème. Tahar, nous allons maintenant demander l'audience de poser des questions. Alors, c'est pour ça que j'essaie de voir qui a des questions à poser. Ah, d'accord. Ok, je vois. Je crois que les gens sont un peu intimidés là. Je vais faire un tour et je Seems like nobody has questions. Maybe I asked too many questions. There is one question here. Yes, great, Shelby. Melanie is she sent me a question saying it was previously asked what part was most difficult instead. What part of the book made you happiest? Je traduis. Mélanie aimerait savoir quelle partie de l'écriture vous a rendu le plus heureux lors du processus d'écriture. Ça dépend des jours, ça dépend des nuits. Si je passe une nuit bonne ou mauvaise, parce que moi je suis un écrivain du matin, j'écris le matin. Alors si je passe une mauvaise nuit, je n'écris pas bien, alors j'arrête et je fais autre chose. Je vais faire de la peinture. Mais on écrit, ce n'est pas vrai quand qu'on écrit quand on a, je sais pas, quand on est malheureux. Pour écrire, il faut être responsable. C'est un travail. C'est un travail. C'est-à-dire, on se met à table et on dit, bon, ben, on a un problème, il faut les résoudre, on va faire ça. C'est-à-dire que l'écriture, ce n'est pas une plaisanterie, c'est très sérieux. Et c'est pour cela que il y a beaucoup de gens qui écrivent, mais en fait, ils ne savent pas ce que c'est que la littérature. Alors, écrire, c'est une responsabilité. On prend le temps, on revoit le texte. Et j'ai fait ce travail avec plaisir, parce que je suis sincère. Is Claudia has a question there. Comment vous organisez vos sentiments quand il y en a beaucoup? Tatiana, etc., pose des questions. Voilà des questions là. Oh, is that a question for me? Non, 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 for Taha, in French. I think you can read them. Le rapport avec la peinture. Ben, la peinture fait partie de mon travail d'écrivain parce que j'écris, je raconte des choses souvent problématiques parce que l'humanité n'est pas très belle. Mais en même temps, il y a des moments heureux et magnifiques et ce que j'appelle la lumière. Alors je peins la lumière et j'écris la douleur. C'est pour ça que je passe d'une condition à l'autre. Et ma peinture est très, pour ceux qui la connaissent, elle est très éclairée, très, très lumineuse, il y a beaucoup de couleurs, beaucoup de clarté, parce que je veux rendre justice à cet aspect qu'il y a chez moi d'être un bon vivant, d'être quelqu'un de positif. Or, la littérature, c'est plus sérieux. Enfin, plus sérieux, ça veut dire, on témoigne sur les situations compliquées et difficiles. Donc, on est dans le drame, alors que dans la peinture, on est dans la joie et la danse. There are a few more questions, Lots but of them. yes. Adrian, can we go on until 2:30, maybe? Yeah, we can go on until 2:30. Okay, great. Thank you. Ignacio raised his hand there. Hello, can you hear me? Yes. Oh, thank you. I have some technical difficulties. Yes, thank you very much for your talk. I am interested in a question whether it's possible to have a dialogue within France between writers, maybe metropolitan writers and writers from all over the world, whether it's possible to discuss the questions surrounding the French state, citizenship, the reaction to the Muslim world, or whether it's such difficult such such discussion is difficult in France, and what is your experience?
En France, nous vivons une situation de crise depuis très longtemps. Mm-hmm. Et les médias ou la scène médiatique a été confisquée par ceux qui crient le plus et qui ont des messages de haine à passer. Il est plus facile aujourd'hui de tomber sur quelqu'un qui dit il faut renvoyer tous les musulmans dehors, il faut interdire les prénoms arabes étrangers à la langue française, etc., que de tomber sur quelqu'un qui va dire qui va faire l'éloge des valeurs. Il n'y a pas de discussion en ce moment entre d'un côté, disons, ceux qui représentent un peu la conscience des immigrés, des étrangers, et puis ceux qui sont dans les médias et qui haranguent les foules avec de la haine. Nous avons, comme vous avez certainement entendu parler, un phénomène qui s'appelle Zemmour, Éric Zemmour, qui est un homme qui s'est beaucoup inspiré de Trump pour dire beaucoup de mensonges et beaucoup de choses raciste. Il a été condamné plusieurs fois pour la haine raciale, mais il continue et il risque d'arriver au deuxième tour de l'élection présidentielle, ce qui est un très grand danger pour la démocratie et pour tous les Français, y compris les immigrés. Merci beaucoup. I do see Giada. Who wants to ask a question? Giada, do you want to ask a question? Yeah, I'm sorry, I also couldn't share the video. I don't know why. I'm sorry, I will ask a question like that. I was very interested by the question of the relationship between literature and the world around, and how what Monsieur Jelun calls l'écriture has an impact on the world around us politically and has a responsibility, therefore. But I was just wondering if sometimes the conditions for this impact are lacking. Because I have the impression that sometimes there is like a the world and the literary capacities are sort of divorced or there is not a real connection. And maybe in some moments the connection is established again, but it seems to me that it's a rare phenomenon, or very positive but rare phenomenon. I don't know if I'm quite making sense, but this is a question that I think it's very interesting, and I think, at least it's interesting to me. That's the question. C'est donné beaucoup de d'importance à la littérature, à l'art en général. Nous pensons que la littérature doit avoir un impact sur la société. Malheureusement, les gens lisent de moins en moins, vous le savez très bien. Oui. Et l'impact se fait aujourd'hui par l'image. Et les images que nous recevons aujourd'hui sont des images fabriquées par des algorithmes qui devinent ce que nous voulons, ce que nous désirons. Et la culture n'a plus d'impact sur le choix réel des individus. Nous sommes entrés dans une époque où la littérature va devenir minoritaire, où la création littéraire, la vraie littérature, l'écriture, la poésie vont devenir marginales. Pourquoi ? Parce que ce qui domine aujourd'hui, ce sont les grandes sociétés d'images, je ne vais pas les nommer, mais vous le connaissez tous, qui nous proposent des séries, des films, et qui en plus nous imposent certaines choses à voir. Donc,
La littérature, elle n'a pas le pouvoir de concurrencer ces gens-là. Elle n'a pas les moyens d'être plus forte. Vous prenez aujourd'hui un adolescent qui a 15 ans. Vous lui dites, voici un livre, voici un film. Qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va prendre le livre ou il va choisir le film? 90%, il va choisir le film. Pourquoi? Parce que regarder un film, c'est passif. Il est là, il regarde. Lire, c'est actif. Il faut participer, il faut être attentif. Et tout ce qui demande de l'effort aux gens aujourd'hui, eh bien, il a du mal à s'imposer. Je suis désolé d'être pessimiste, mais c'est ce que je remarque de plus en plus. Est-ce que je peux juste ajouter quelque chose? Il y avait, enfin, moi, j'aime beaucoup Gilles Deleuze comme philosophe, et il a cette idée que quand on écrit, en effet, on change quelque chose dans le monde, mais c'est pas un effet direct. Non, c'est jamais direct. Puisque des fois, il manque le lecteur. Mmh. Et peut-être que ça, c'est... Oui. Mais on garde toujours l'espoir que certaines valeurs véhiculées par la littérature ou l'art ou la poésie atteindre un jour leur but. Oui. Merci beaucoup. Merci à vous. I think maybe we have time for one more question from Farzana. Yes. Hello. Hello. Bonjour. First, bonjour. I can ask my question in French? Yes. Okay. Tout d'abord, je suis ravie pour assister à ce talk. Je suis une grande admiratrice de vos travaux. Je voulais savoir, le mariage de plaisir, ces livres-là, comment ça a été reçu par le public marocain? Parce que le mariage de Mouta, ce n'est pas quelque chose qui est courant. Au Maroc, on n'en parle pas, ce n'est pas une pratique courante. Donc, comment ça a été reçu, ce livre, par le public marocain? Le public marocain a beaucoup ri avec cette histoire, j'ai trouvé ça un peu rigolo. Mais ça a été quand même, certains se sont souvenus que leur grand-père ou leur grand-mère, tout ça, ont vécu des situations comme ça dans les années 40, 50. Mais au Maroc, vous savez, on ne réagit pas beaucoup à la littérature. Les gens ils posent des questions et tout ça, mais ce n'est pas une réaction, ce n'est pas important la littérature. Alors, j'ai fait des débats à Casablanca, des choses comme ça, dans des librairies et tout, mais les gens ne posent pas toujours les questions vraiment qu'ils pensent, tout ça. Mais c'est vrai que le livre a montré l'aspect désagréable de nos sociétés marocaines, qui est le racisme continuant. Et ça a été quelque chose qui certainement n'a pas été exprimé par les gens, mais qui a dû les gêner un peu. You mean a book that made me cry has made some people laugh? Mm-hmm. Je vais poser la question en français. Vous voulez dire le livre qui m'a fait pleurer, beaucoup même, a fait rire des gens? Ben, parce qu'ils considéraient que ce mariage de plaisir était quelque chose qu'ils auraient bien aimé pratiquer, parce que c'est une façon de se déculpabiliser vis-à-vis de la société en faisant un papier chez le notaire. Et après, de l'abandonner cette femme. C'est une vision très, très machiste et masculine, une lecture très machiste de ce livre. Okay. There are many interesting questions in the chat box, but unfortunately, we don't have time to ask them, right, Patrice? Merci. Thank you very much. Merci beaucoup. Et Patrice, tu as été formidable. En anglais, en français. L'avantage d'être écrivain.
Et quand tu viens à Paris, tu m'appelles. Tu demandes à Rita mon téléphone et mon mail. D'accord? Ok, je serai là en janvier, décembre, janvier. Donc, nous allons nous voir. Bon, plutôt en janvier, décembre, je serai certainement au Maroc. J'ai ce livre-ci, Un premier président noir en France. Oh, my God. Voilà. Et celui-ci, Mbundiek, les deux en France, en janvier. Oh, ah, c'est très bien. Super. I am presenting my next books. They will come out in January in Paris. So the first one is called The First French Black President. And the second one is called Mbundiek, is from the point of view of a dog. Here in the United States, we also had our first Black president not very long ago. Can France have its own? Yes. So on behalf of our university, the Humanities Institute, the Africana Studies Department, and myself, I would like to thank you from the bottom of my heart, if there is a bottom. And maybe we can arrange another conversation sometime in the future. En attendant de venir vous voir un jour.